recevoir dans ton super atelier. Mais de rien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ta marque, la mouche poulette? Eh bien oui, donc la mouche poulette, c'est ça, c'est des couleurs, des coupes simples. Donc la petite jupe que je porte par exemple, oui. C'est girly, c'est frais et ce que j'aime par-dessus tout c'est par exemple mon look. Ton avoir du jour que tu nous disais, ouais, vas-y. Avoir une petite pièce forte, donc avec des imprimés sympas et l'accessoiriser avec des choses qui n'iraient pas forcément avec, exactement. J'aime bien sortir des sentiers battus en me disant la simplicité aurait été de le mettre avec un t-shirt noir et des chaussures noires, ouais, ou blanc, etc. Et c'est vrai que j'aime bien essayer d'aller à l'encontre de tout ça et de mixer avec des styles, quelque chose de girly, quelque chose de un peu plus street. C'est super. Pour tenter. Et puis des petites bottines marron. Oui, des petites bottines, histoire de rappeler le côté militaire. Ouais, cohérent dans mon style décalé. Et du coup, tu mettrais quoi en tenue de soirée? Décris-nous ta petite tenue de soirée. La mouche poulette aussi. Si t'as des... Ça, c'est la mouche poulette, ouais, il me semble. Alors là, je vous montre une exclue. la nouvelle jupe pour cet hiver. Exactement, c'est un magnifique coton doré. C'est très doux. Et en plus, pour le coup, tu peux la mettre dehors, t'as pas froid. Hein. Ouais. Et ce que j'aime, c'est vraiment trancher avec des couleurs vives. J'aurais pas pensé non plus, tu vois, le bleu. Mais c'est ça que j'aime, c'est parce que finalement, vu que là, parce que c'est soit les motifs, soit les couleurs pétantes pour moi. Donc c'est vrai que j'aime bien. Pas mettre qu'un top noir par exemple. Non, ouais, trancher et aller dans des couleurs qu'on n'aurait pas forcément espéré ici. Et là, bon, bah, du violet, du rose, je pense qu'on aurait même pu aller dans les chaussures aussi, donc des chaussures d'une couleur complètement différente et puis à ça, à la limite, tu peux même le mettre de jour avec une petite veste, ouais, bien sûr, du type comme ça. Mais si demain une nana la prend pour aller au travail avec, mais j'adore, je trouve ça vraiment c'est osé pour le coup, mais c'est osé, mais en même temps tu te diras, oui, bah, ça reste cohérent finalement. Ça reste cohérent. C'est pas, oui, c'est doré, oui, ça sort du commun, mais en même temps, oui, c'est joli. Si elle a un petit top noir, ça passe. Ouais, exactement. Mais du coup, pour le soir, il faut quelque chose un peu plus. Un bleu électrique. Ouais, c'est comme ça que je la vois, c'est comme ça qu'elle a été faite. Enfin, imaginez surtout. Ouais. Pour cette. Je n'aurais pas pensé, j'admire l'idée, je prends, j'adopte, vraiment, j'adore beaucoup cette idée. Ouais, et ouais. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous donner tes inspirations en fait pour t'habiller autant le jour que le soir? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu as des acteurs, des stars, des villes? Qu'est-ce qui t'inspire pour t'habiller tous les jours et pour aussi faire tes super collections girly? De tous les voyages que j'ai fait, les personnes que je trouve le mieux habillées, ça reste les Français. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment parce que j'aime bien cette classe naturelle qui ressort de chez eux. De chez elle plutôt. Oui. Et si je devais dire une ville qui m'inspirerait, ce serait Paris. Maintenant, j'adore le délire de Londres. Je t'avais dit, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais, j'adore ça. Mais c'est vrai que j'adore la classe de Paris. Je trouve qu'on n'ose pas assez les couleurs. Oui. Mais du coup, tu switches un petit peu ce côté très classique, Blair Waldorf, comme on disait, et avec un côté un peu. Ça, c'est total, je l'ai dit, je suis mixée avec la parisienne, quoi, en fait, quoi, du coup. Enfin, moi, je me reconnais aussi, ouais, du coup, un peu. C'est ton côté fun et chic en même temps, et du coup, ouais, ça correspond bien aussi de la mouche poulette et de ce qu'on a vu. Et je pense, en fait, l'avantage d'avoir sa marque et de faire ses propres vêtements, c'est que quelque part, cette marque me ressemble. Et quand je fais un petit recul et que je regarde ce que j'ai fait, je me dis, bon, ça va, j'ai pas de problème dans ma vie, je suis colorée. Exactement, très positive, comme vous pouvez constater. Je ne crois pas du noir. Et donc, Laura, tu peux me donner un peu plus d'infos sur ton actu, où on peut trouver la mouche poulette? Alors, la mouche poulette est désormais disponible dans 3 boutiques, oui. 2 à Paris. Oui. La première, c'est le concept store L'Équerre, qui se situe près de Montmartre. Un petit concept store super sympa où on peut manger et voir une cool une sélection de créateurs super pointus, donc ouais, je vous recommande. Le deuxième, ça s'appelle Les Impertinentes, c'est rue Ticton, dans le centre de Paris. La nana est top, sa sélection est géniale, donc allez-y aussi. Et la troisième, c'est à Bordeaux.
À Bordeaux. Ouais, d'un tout nouveau concept qui s'appelle Do You Speak Français, okay. qui est un magasin qui s'articule uniquement sur le créateur français. Et tout ce qui tout le Made in France. Voilà. Waouh, super, ouais, belle actu. Hâte de voir du coup les nouvelles prochaines collections hiver avec ce genre de jupe magnifique. Très belle word of, très mon inspiration. En tout cas, merci beaucoup Laura pour ton temps et pour ton accueil dans ton atelier et ton chez-toi, quelque part. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et see you soon dans The Cookies Boom. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à The Cookies Boom pour avoir toutes les nouvelles vidéos en avant-première.